mal. Kennst du das? Ja. Ja. Muskat. Sag mal, Muskatnuss. Muskat. Die Muskatnuss, genau. Bei mir ist es. Und dann, wer möchte stampfen? Ich. Du, ihr könnt alle stampfen. Und nochmal fest. Hauen. Oh. Hauen ist fertig. Ja, da ist auch ein kleines Stück davon noch raus. Okay, Achtung. Eins. Mit der Eins, ja. Okay. Du kannst ein bisschen rausquetschen erst, so. Dass es schön gleichmäßig fließt. Das ist. Eins, das zwei und die drei. Der Apfel. Das ist doch kein Püree mehr. Nee, es ist kein Püree mehr. Es war Püree. Und jetzt sind so. Kleine aufgepuffte Kroketten. Ich habe es auch einmal Kroketten gemacht. You know what we're going to do? Mm. We're going to pretend that we're just like Mole, okay? And you know, where does Mole live? He lives on the ground. Hi, Victoria. Hi, Angelica. Hi. Hi, Leon. Hi. Hi, Maya. Hello, 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 hello. Do you want to pretend to be moles? And we're going to make our tunnel. It's going to be a table tunnel, okay? It's going to be a table tunnel and we're going to see what it's like to be a mole. Tutti Frutti is een taalschool voor kinderen die sinds 1997 in het naschoolse lessen organiseert op een ludieke manier. Tutti Frutti organiseert zijn ateliers in de school zelf, maar ook in een handvol Brusselse scholen, privélessen bij de mensen thuis en sinds 2003 heeft Tutti Frutti ook een eigen kleuterschool. In deze kleuterschool krijgen de kinderen als basis Frans en daarbij een tweede taal. Nederlands, Engels, Italiaans of Duits. Down, up, down, up, down, up. Sometimes he even digs like this. Let's show. And you make the sound that the mole makes when he's digging. Don't forget to stick your nose out so we know where we're going because you can't see very well. We put our nose out. Okay, so for the last few minutes, we're going to just, you can color, you can draw, you can look at him like this, you can even put a little hat. If you want to put a hat on him, you can put a hat on him. Okay, you can put a little hat on him. And you can color him in the colors, same colors as well. Big eyes, that's right. Quand la neige recouvre la verte Finlande et que les rennes traversent la lande, le vent dans la nuit au troupeau parle encore de lui. On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon, le petit renne au nez rouge. Rouge comme un lumignon. Ici, on a quelle couleur? Vert. Alors, vert, est-ce que je le mets avec le jaune? Non. Je le mets avec. Non. Est-ce que je le mets avec celui-ci? Oui. Oui. Ici, ce sont les décorations du sapin. On doit prendre avec deux doigts comme ça, tout doucement, une petite perle. Et dans chaque rond, on doit mettre une petite perle de couleur. Et quelle couleur il est celui-là? Et il nous en faut deux des bleus. Ok, voilà, très bien. Alors, un petit bleu ici, dans le coin. Alors, est-ce que c'est dans ce sens-là? Regarde bien. Il a la pointe en bas. Tu vois, là, t'as mis la pointe en haut. On doit avoir la pointe en bas. Alors, on peut essayer de tourner comme ça. À l'école. 我的是汉语 我们写的是中文 OK 中文 池子 第二个呢 I bambini a tutti i frutti parlano lingue diverse e sono abituati ad ascoltare le lingue dei compagni, a scoprire che ognuno ha una lingua diversa, una cultura d'origine di un paese straniero. Per me
molto importante che i bambini imparino le lingue sin da piccoli in modo così spontaneo come a tutti i frutti, perché è un regalo per loro imparare senza sforzi. Io ho dovuto faticare molto per imparare le lingue quando ero già grande, ma penso sia inoltre importante per la società in generale, perché una persona che parla un'altra lingua è più aperta verso l'altro, non ha paura dello straniero, e quindi per me Tutti i Frutti è un'esperienza pilota per la società, e spero che Tutti i Frutti serva da esempio ai poteri pubblici per migliorare l'insegnamento delle lingue in tutte le scuole. Dann könnt ihr das ein bisschen anmalen, okay? Und dann machen wir das mit Glitzerfarben. Okay. Dès la création de Tutti Frutti, les activités avaient toute leur place. Nous prenons une approche ludique par le biais d'activités. Ce sont des activités qui vont alimenter la curiosité de l'enfant, qui vont la nourrir, qui ont du sens, de la profondeur. Et c'est pourquoi nous travaillons avec des profils très différents. Donc bien sûr avec des professeurs, mais aussi des peintres, des sculpteurs, musiciens, comédiens, comédiennes. Et donc cette approche à 360 degrés fait vraiment partie de notre pédagogie d'ouverture. Une ouverture sur le monde extérieur, une ouverture vers notre propre monde intérieur. Et donc l'apprentissage des langues n'est pas cloisonné. Pour moi, c'est ouvert sur la vie en général. On met les mains près des oreilles, pas sur les oreilles, près des oreilles. On essaie de sentir la chaleur des mains. Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous faites à carnaval d'habitude? On se déguise. Ah, en lion? Ah oui. Ouais, on se déguise à carnaval. Est-ce que tout le monde se déguise? Vous vous déguisez? Ouais. Non. Les parents, ils se déguisent aussi? Moi, je suis un dinosaure. Ah, super. À l'envers. Bonjour, les petits jaunes. Ça devient comment? Grand. Ça devient grand, ça devient très grand.
En maternelle, à l'atelier des tâches et de l'autonomie, les enfants peuvent choisir les ateliers qu'ils vont faire parmi une sélection d'ateliers. Ce sont des ateliers à la fois pour exercer des gestes du quotidien comme verser, fermer une tirette, fermer des boutons. Et il y a d'autres jeux où c'est plus des jeux libres où ils peuvent exercer leur imagination ou faire des découvertes en observant des insectes ou des coquilles. Et on essaye le plus possible de proposer des ateliers sensoriels, donc on propose aussi des ateliers qui ont des odeurs. Et par exemple, on a proposé un mandala où les enfants peuvent reproduire des formes qui ont été photographiées sur des images. Et sauf que ce sont des formes qui sont faites avec une rondelle d'orange séchée, des bâtons de cannelle, de la cardamome. Et après, à partir de là, ils peuvent aussi imaginer leur propre paysage. Alors on va écraser. Oui, mais David, tu peux laisser le beurre sur la table. Oh, ok. Hop là. Donner l'assiette à Antoine. Et Antoine, c'est à ton tour. Voilà, tu peux le déposer sur la table. Hop. Mais Henri, il fait toujours comme ça avec la cuillère. Alors, Emilia. Moi, je peux faire une boucle. Tu vas la faire toute seule. Moi aussi. Alors, hop là, tu peux la déposer. Sur la plaque. Oh oui, on peut la rouler, c'est vrai. Zappelmänner sind auf einmal weg.
Paus. Da fällt das Häuschen ein. Eins, zwei, drei. Schaut nur, schaut. Schon ist es wieder aufgebaut. Io ho questi temi, questi topici dell'educazione, che sono alcuni temi che per me sono importanti, oltre a questo qui della centralità dell'essere umano, della non violenza, del fatto di lavorare tenendo conto del proprio corpo, delle proprie emozioni, che sono tutte cose che si vedono carenti nell'educazione tradizionale. E quindi sulla base di questi topici propongo delle attività per i bambini, per i grandi, e soprattutto quella anche che faremo stasera, cioè cercando di far capire che l'educazione si può risolvere soltanto se noi costruiamo una comunità educativa e comunque mettere al centro del dibattito pubblico il fatto che abbiamo bisogno di nuovi cittadini, perché il mondo in cui viviamo è un mondo a volte orribile, a volte incomprensibile, ma questo dipende anche da come noi formiamo i nostri bambini. On a découvert Tutti Frutti en fait à travers un stage auquel notre premier, donc Timéo, a participé il y a de cela 6 ans, et on a été vraiment conquis par ce stage, autant par sa diversité multiculturelle, par l'ambiance qu'il y avait dans l'école, et puis alors on a pris la décision de le mettre à l'école. On savait pas qu'il y avait une école en fait, on pensait qu'il y avait rien que des stages, puis on a découvert qu'il y avait une école, on a prié pour avoir une place, et en fait il y avait une place, et donc on s'est dit que c'était un bon moyen pour l'enfant de découvrir une partie de sa culture, une partie de ses origines, et donc ainsi de suite. Il y a eu un deuxième, Malia, qui était en classe d'accueil à Tutti Frutti, qui a adoré l'ambiance. D'ailleurs je me rappelle des moments où elle ne connaissait pas, donc il ne connaissait pas la langue au départ, et il s'est inventé une langue à consonance italienne, mais ça voulait dire quelque chose, elle savait ce qu'elle voulait dire, elle comprenait tout ce que les autres disaient, mais elle s'est inventé vraiment la langue à consonance italienne, et puis de fil en aiguille, elle a commencé à parler cette langue, et ça on s'est dit, mais c'est vraiment, c'est vrai ce qu'on dit sur l'immersion dans une langue, c'est que l'enfant est une véritable éponge et absorbe tout, et ça en sort des choses magnifiques, c'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide. Moi j'ai trouvé ça vraiment super, parce que je trouve qu'il y a un échange entre le professeur et l'élève, mais ça va, ça va dans les deux sens. Et dans les écoles plus traditionnelles, désolée, je casse les écoles traditionnelles, mais je trouve qu'il y a le côté professeur et l'élève. Et le professeur est là pour apprendre à l'élève, et pas l'inverse, alors que pour moi c'est un échange. L'enfant apporte autant que l'adulte apporte à l'enfant. Les enfants travaillent tout au long de l'année et puis réalisent quelque chose devant les parents, et parfois des enfants où c'est vraiment pas leur langue maternelle et réalisent quelque chose devant tout un public, et je trouve que c'est formidable, quoi. Et aussi en troisième, c'est la conférence des pays. C'est aussi que l'enfant arrive à se surpasser, parler devant les adultes, devant les parents, montrer ce qu'ils ont fait pendant l'année. Enfin, voilà, c'est top, quoi. Et vous parliez justement de ce contact par rapport aux autres langues, pas nécessairement dans la langue dans laquelle les enfants sont inscrits, donc une sensibilité ou une prise de conscience, une existence de différentes langues. Oui, oui. Ils se rendent compte que y a différentes langues qui existent, et petits déjà, comme je vous expliquais, il y a des enfants de cet âge-là, de 3 ans, mais qui ne se rendent pas compte qu'il y a différentes cultures, qu'il y a différentes langues. Moi je compare Tutti Frutti à une ruche, où il y a différentes abeilles avec des cultures différentes, des petits enfants avec des cultures différentes qui apportent chacun leur mode de vie, leur langue. Alors moi je prends comme ça.
souviens, il y a quelques années, il y a un professeur qui voulait dire « Ok, allez à gauche », alors des links », mais vous voyez que l'enfant ne réagissait pas, et donc elle dit « gauche », mais instinctivement, elle fait le geste. Je dis « Ben, tu aurais pu continuer de dire « links » et faire le geste à gauche ». Parce qu'en fait, à 4 ans, l'enfant, il n'a pas la gauche et la droite. Et donc, c'était inutile de traduire. Donc, on se sent plus à l'aise parce qu'on l'a traduit, mais en fait, c'était tout à fait inutile. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est pas parce que l'enfant ne veut pas comprendre, peut-être qu'il n'a pas le niveau linguistique, mais c'est tout simplement qu'il n'a pas la maturité. Il y a des concepts qu'il n'a pas à cet âge. Et comme je disais aussi tout à l'heure, en tant qu'enseignant de langue, il faut pouvoir gérer cette grande frustration, c'est-à-dire qu'au début, peut-être 99,9% de ce que vous dites ne sera pas compris, même si l'enfant dit « ok ». Vous voyez à sa réaction qu'il n'a pas compris. Il dit oui parce que voilà, face à un adulte, il vaut mieux dire oui et pas faire de vagues. Et voilà. Et comme ça, tout va bien. Hola Patricia. Patricia, viene a Tutti Frutti. Oi, Tutti Frutti. Oui, tous les mercredis, je viens chez Tutti Frutti. Oui, Patricia está en Tutti Frutti. Patricia, ayer, durmió, se despertó, fue a Tutti Frutti, hoy. Y chao, Patricia. Y Patricia. Three little monkeys jumping on the bed. And Mom Mama called the doctor, and the doctor said, no more monkeys. Okay, can everybody see here? Yes. Okay, what do you see? Do you see a... Who's that, a boy? No, a girl, very good. And what is this here? A bottle. A bottle, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and they're all different. Very good. Yes. Are they the same? Yes. Yes, so we'll take one. And then we'll take one different one from here. Who go next? Will we go to Drew next? You ready? Close your eyes. Go! Very good. What color is it? Yellow. It's yellow. It's yellow. Me! Do you have it? Is it the same? Boss.
bellissimo, sono bellissimo, come si dice? Grazie! Grazie! Grazie. Mm. Oh, bara en liten grumgo-grej! Han har hela huset fullt med sådana där grumgo-grejor. Vi går och ser vad han har innanför planket före skolpansen. Skavlan hade satt upp planket runt en tom plats. Det var i alla fall som tidigare tom. Nu kunde han ingen se vad som fanns där i. En dag hade Bamse varit hos gamla farmor hemma några burkar och den märkliga dunderhålningen som gör honom till världens starkaste björn. Vet du vem det här är på bilden? Aliki och ni, vet du vem det är? Nej. Nora kanske vet vad det är. Katten Jansson. Whoa, on an iceberg.
On an iceberg. Night. Who wrote this? Some very intelligent person. Confucius was a philosopher. He was a very intelligent man. Quando vi decidete ad esempio tre colori, lui ha il bianco, il rosso e il giallo. Dovete prima partire con un colore, poi partite col secondo colore, quindi decidete di mettere ad esempio nei cerchi un rosso, poi qua mettete un altro rosso, alternate e poi passate a un altro colore. Prima finiamo di colorarlo perché poi il vostro disegno dovrebbe venire così. E Silvia paga me. Quello non verrà mai come questo perché sarà la vostra interpretazione. Però vedete come lui ha alternato i colori? Come chi sa giocare a scacchi? Io qua a scacchi. A scacchi Adama, quello che dico. Le dammi. Cosa c'è? Il mare? No, è la campagna. Ah, io pensavo fosse al mare, la spiaggia. La migliore attività sta lì. Alright. Boris, what's your favorite color? My favorite color is orange. Orange. Oui, j'ai un souvenir. Donc quand j'étais toute petite ici, j'avais une amie qui s'appelait Lydia et elle parlait russe et italien. Mais moi, je parlais juste français. Et un petit peu d'anglais parce que je venais de commencer les cours d'anglais ici. En fait, on était amis, mais on ne savait juste pas communiquer. Et même à cet âge-là, je m'étais rendu compte qu'en fait, il fallait savoir s'exprimer et communiquer avec l'autre pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir jouer ensemble, pour pouvoir rigoler ensemble. Et donc, j'avais demandé à ma maman de m'inscrire à des cours d'italien. Voilà, pour mon ami en fait. Et au final, je m'exprimais pas parfaitement en italien, c'était clair, mais je savais lire quelques trucs, et quand je lui demandais « Oh, tu peux me passer le livre ?» ou « Tu peux me passer ceci ?» et ben, on se comprenait un petit peu et on rigolait ensemble. Les enfants commencent par comprendre et puis s'expriment et puis jouent avec d'autres. Et puis voilà. Et c'est vrai que le recul de... On a 15 ans de recul maintenant, entre 2003 et 2018, pour dire que c'est une bonne expérience et que ça devrait même être une expérience universelle et généraliser ça à toute la Belgique et même au-delà pour que les enfants apprennent et qu'il y ait des maternelles bilingues partout. Ça nous paraît maintenant une évidence. Bon, nous, on l'a vécu et on est très très contents de l'avoir vécu. Et maintenant, par exemple, notre première fille est maintenant à l'université, donc on peut voir son parcours scolaire, maternel, mais primaire et secondaire. Et on voit que c'est que du bonheur, mais pas seulement dans les langues, c'est-à-dire que ça les éveille aussi à l'enseignement en général. Ils ont des facilités scolaires, je ne sais pas si c'est dû à cause de ça ou des tonnes d'autres facteurs, mais on a du recul pour dire que c'est une des bonnes expériences. Mais ici, je me rappelle surtout du côté ludique. Donc finalement, quand je rentrais à la maison, à mon avis, je me rappelais pas vraiment du fait qu'on ait appris tel mot de vocabulaire, mais ça rentrait tout seul puisqu'on s'amusait, puisqu'on rigolait ensemble, on faisait de l'aventure, mais en même temps, on apprenait tous les mots en anglais, toutes les couleurs en anglais. Et voilà, c'est très ludique, quoi. C'est pas un cadre scolaire rigide qui donne pas du tout envie d'apprendre. C'est une expérience pour toute la famille, y compris pour la petite, pour la grande et pour les parents. C'était sans stress en tout cas, beaucoup d'apprentissage sans stress et le côté ludique est évidemment mis au premier plan. Oui, non.